Bien le bonjour à tous, me voilà de retour. On va rapprocher le micro, c'est quand même mieux. Et de retour sur Fibre de Marichon. De bons heures, de bon matin, mais non. Bien pensé. Et puis on va tout de suite partir en direction du PDP. Pour notre petite patrouille de journée. Hop. Aujourd'hui à 13h30. Oui, c'est ça. 13h30, nous avons le général qui nous a donné rendez-vous. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vais me connecter à TeamSpeak, sinon on n'entendra pas parler sur le jeu. C'est mieux. Et on est parti. Est-ce que... Je vais aller faire un petit tour chez les mécanos. Parce qu'hier, mon véhicule a pris la dose. J'ai mon petit kit de réparation. Mais... Oui. Ah bah 15 est de retour. Parfait. On va voir. Tiens, voyons ça. Il y a un petit truc. Oui, bon. Pas si vous entendez la tasse. Je vais voir s'ils sont derrière. Petit café qui voit bien. Y a-t-il quelqu'un? Oh, il y a quelqu'un. Bien le bonjour. Comment allez-vous? Ah oui, non, ça arrive. Tout va bien de si bon matin? Bah oui, écoutez, impeccable, tranquillement, la matinée se passe. Ah, parfait. Ah bah les collègues. Ah oui, d'accord. Ils sont donnés rendez-vous. Ah, alors, qui est-ce qui est arrivé en premier? C'était moi avec la coquette, mais s'ils veulent repartir en patrouille, vous faites l'effacer avant. On a failli péter dans un camion essence. Ça marche. Alors, ouais, ça vous dérange si je m'occupe du LSP? Non, non, allez-y. Oui, oui. Pour l'instant, je ne suis pas encore à service. Allez, on va. Dès que ma coquette sera réparée, je prévois du service. Comment allez-vous? Ah non, là, c'est une classique. Oui, bah, j'ai mis le petit kit de réparation parce que, en partant, je me suis retrouvé en panne au portail. Oui. C'est con, ça. Donc j'ai couru à la supérette pour prendre un kit de réparation et bidouiller quelque chose. Eh hey, bonjour. Hey, bonjour. C'est ça. Ah, un rose bonbon avec des cornes de licorne. Non, un touré. Touré avec des jantes d'olor dessus. Nickel. On passerait inaperçu. J'en suis sûr en plus. Ah oui, exactement. Discrétion totale. Change la couleur des gyrophares aussi. Moteurs, là.
Ah si, ça passe encore plus inaperçu. Ça passe encore plus inaperçu. Non, il y a écrit Nikki et la police. Nikki et la police. elle était bien celle-là. Avec un cœur, elle était très bien. Elle était très bien. Ouais. Très très bien. Patrouille. Bon allez, il faut que je fasse du Tetris, il faut que je batte le score là, parce que là ça va pas. Ah non, ça ne va pas du tout. Oh là là. Ah ouais, non, non. C'est quoi ces policiers là qui sont deuxième au classement? Dès que j'ai fait 3 fois 40 000, hein, moi, 40 000 ça me fait plus peur quoi. C'est passé les 40 000 où c'est, ça devient vraiment vraiment tendu quoi. Moi déjà j'arrive à passer les 20 000, c'est déjà pas mal. Alors ensuite, la coquette, elle a besoin de quoi, monsieur? Une grosse réparation, elle a pris de sacrées couilles. Grosse réparation, oui. Ça marche. Allez, ça part, je m'en occupe. Merci bien. Qu'est-ce qu'ils ont écrit sur le groupe maison de retraite, là? Hein? Comment c'est le groupe maison de retraite? Mais je crois que c'est une pique, hein. Pour moi, le truc maison de retraite, c'est une pique pour monsieur Morrison. Ah non, mais c'est comme ça qu'on a appelé notre groupe de coloc, en fait. La maison de retraite. D'accord. Il y a cause de moi. Ah, je pensais qu'il y avait que des vieux. Non, non, il y a que moi. D'accord. On appelait ça la maison de retraite, les enfoirés. Quoi. Bah, c'est 84 et ça coûte plus. Voilà. Heureux, merci. Bon, merci du soutien. Ouais, c'est un soutien comme un autre, hein. Oui, c'est sûr. Ouais, enfin bon, je sais pas si je veux que ça, quoi. Faut arrêter, ça va. Non, que merde. Enfin, l'impression de me faire du lit, quoi. Comme un gamin de 5 ans qui sort... Enfin, comme un gamin de 11 ans qui va au collège, quoi. Au secours, s'il te plaît. D'ailleurs, si tu veux faire des ponts au Tetris, je vais te donner une astuce. Tu mets pause à chaque fois que tu veux savoir où tu vas poser ton truc. Pas du tout. Non, t'appuies sur espace pour faire tomber la pièce plus vite. Mmh. Tu vas voir que les points s'engrangent très très vite. Qu'est-ce que t'as? Bah oui. Petite astuce. Bah, ça engrange très vite, c'est pareil, c'est la même chose. Ça va plus vite. Mais juste what moins. Ils viennent pas de sortir? Centrale pour Tango 1, mais vous venez pas d'en sortir du. qui est au volant? Bah, il me semble que c'est 0-3. Ah ouais? Oh non, pas possible, hier il a fait une conduite d'enfer avec la Dominator. Franchement, on demande de changer les couleurs comme ça, je suis sûr qu'ils seraient d'accord en général. Toutes les voitures dorées. Sans souci. Ouais, mais ça, la blague, oui. Pensez-y et si jamais il y a un truc spécial, oui. Quoi, ça on peut faire. Ça sert si vous voulez pour le.
dites-moi à quelle batterie que vous mettez la voiture. Ou si c'est sur la flotte. Non. Ok, ça marche. 83, voilà, c'est noté. Voilà. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis visite médicale avant reprise? J'ai envoyé ma visite médicale de hier. Ah, bah voilà. Bah du coup. Et voilà. Merci bien. C'est bon, c'est la coquette classique. Tout à fait, c'est bien ça. Ok, ça marche. Eh ben écoutez, le temps de mettre ça à jour dans ma petite compta et on est tout bon. Mm-hmm. Coquette classique. Hop. Voilà, alors, voilà, donc répa. Roquette classique, $190, et voilà. La facture, c'est payé. Bah, merci bien, bonne journée. Au revoir, voilà, je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Au revoir. Au revoir. Allez, comme neuf. Merveilleux. Parfait. On va se battre avec les portes. Tiens, elle est ouverte. Celle-là. Non, celle-là est fermée. Oui, non. C'est bon. Ensuite, on glisse la petite étiquette. Petite étiquette qui est. Mais je l'ai déjà envoyé la visite médicale. ⁇ 66 prises de service en temps de dispatch. Oh. Est-ce que vous voulez pas plutôt que je descende avec un véhicule en ville pour se donner rendez-vous? De centrale, vous pouvez rejoindre le Tango 1 directement au candy car. Bien reçu. Ah bah ça tombe bien que vous dites ça, 03 est en train de braguer. Bah. Ça vous regarde pas ce que je fais, 15. Hein?
sûr que si je suis en passager, ça marche pas bien. Ne sont pas... C'est bon. Delta 2, reprise de patrouille. Oulou. Rebonjour. C'est mon collègue qui vient d'arriver. Je vous dis tout à l'heure. Ah, vous avez plus long avec vous. Oh merde, ça je préfère à 15. Non, ah non, moi je le déteste. Hein. Ah oui, mais... Alors, oui, on est trois. J'ai envie de dire qu'il apprécie. Qui apprécie quoi? Bah 15. Ah, mais ça, j'ai rien à foutre. Qui apprécie ou pas. Je pense qu'il doit y avoir très peu de grand monde. Ouais. Je l'avais mis en fait. Qui on doit l'envoyer à la visite médicale? Parce que je l'ai passé, je l'ai envoyé au commissaire. Oui, bah, je l'avais envoyé au commissaire il y a une semaine déjà. Matricule 18. Et le central reçu. Centrale pour Delta, est-ce que vous pouvez passer au PDP récupérer 18 et former Tango 1 hein, s'il vous plaît? On peut faire ça. Delta 1 bien reçu. Alors là je suis désolé, je vais être même pas trop mal dans ma tête, donc là c'est pour tout à l'heure. Ok, pas de souci. Donc je suis désolé. Je vais essayer de répondre au cas où. Faire un bike, j'ai pas vu 15. Bah, de ce que j'ai compris, il était en mise à pied. Non, 14, je voulais dire, pardon. Ah. L'anglaise, oui, là. En effet. Ça va faire deux semaines et demie qu'on l'a recruté pourtant. Mmh. Bien le bonjour. Bon, ça va, ça se passe bien. Bon, très bien. Pas encore pu faire grand chose. Je viens à peine de prendre mon service, mais. Ah. Ça a l'air plutôt calme. Et de ce que je vois, t'as passé ta visite médicale hein? Ouais. J'ai fait la formation PPA et il me reste des formations procédures, tout ça là. Alors, oui, mais la visite médicale. Il y a la visite médicale et le. Test et le test psychologique, ouais, c'est fait. Okay. Je l'ai fait pour pouvoir passer le PPA. C'est monsieur. C'est le Jérémy Lowe qui m'a formé. D'accord, 10. Et tu l'as envoyé au commissaire tous les documents Le résultat du PPA Non, la visite médicale. Oui. Ok, voilà. Et après, on m'a dit qu'il fallait que je joue avec un capitaine pour avoir l'arme de service, tout ça, quoi. D'accord. C'est ça normalement, non? Oui, c'est ça. Le okay. Capitaine, peut-être. Les lieutenants, je crois qu'ils peuvent aussi. Ouais, je verrai quand il y aura quelqu'un disponible.
D'accord. Centrale reçue. Quoi? 51 pour 83. 21 du coup. Parfait, juste son. À côté de toi, devant toi. Oui, j'ai pas oublié de mettre le son, hein. On va voir ça une fois sorti de l'autoroute. C'est juste que c'est très calme. Ouais. Lui il me fait peur devant. Oh. Pas qu'il y a des mal de crâne, je sais pas si c'est un joueur ou pas lui, mais. Ça fait peur. Je vais faire un petit passage ou pas. Ah, si, donc. Petit passage gastro et café. Ah, moi aussi, je veux bien m'arrêter. Ouais, j'ai eu un petit doute au moment où je commence à dire ça. Il ferme, je fais ah, bah, peut-être pas en fait. Et voilà. Ah, c'est la rousse. Voilà, sa femme. Tango 1, pied à terre au gastro presto. Centrale reçue. D'accord, d'accord. Ok. Donc il y a 03 qui te drague. Sandra, elle a toutes les unités qui ont la visite médicale à faire. Essayez de la faire ce matin pour moi. Qui a demandé ça? 51, je crois. J'aime avec 5 coupes pizza, 30 salades et 15 et 15. Début de cette Camacho, peinture drapeau américain et rose. Ouais, j'en ai vu ça. Direction route 68, direction Great Ocean. On vient de prendre des chemins de terre sur route 68. Bien, bonjour. Bien, bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Très bien, vous? Impeccable, impeccable. Il me faut 8 pizzas si c'est faisable. Si c'est faisable. Bah, toujours, toujours. Je vous fais la pizza. Tant qu'à faire. On est sur la Zamto Grant, direction sud. Pour moi, il me faudrait 11 salades. 11 salades, ça roule. Bah, je vous laisse venir avec moi, je vous fais la petite facture. Toujours direction ouest. Merci bien. Merci bien. C'est marqué merci. Comment on fait pour arrêter un Camacho? C'est compliqué. Alors,
Il faut sortir. On arrive d'Alevita, Maxime. Belsing Salada. Voleur ou Riot. Suite, Mission Road. En effet. En fait, il me faudra un gros véhicule. Et je vais chercher. Assez rapide, qui peut vite en fait. Toujours sud, Milton Road. Un gros véhicule d'interception, quoi. Pas comme les Buffalo qui sont quand même, au final, assez fragiles, hein. On va pas se le cacher. Tout à fait. Il faudrait que j'en parle avec 68. J'ai envoyé un message pour qu'on en parle dans la journée. Je viens d'arriver sur l'Equipe Boulevard. C'est technique. Bah, quoique techniquement, c'est moi qui m'en occupe, donc j'en parle directement. Les véhicules, c'est l'unité de la charte qui s'en occupe. On est sur direction Est, aucun. On s'occupe de tous les véhicules. Tous. C'est notre responsabilité. Voilà. Parfait, merci. C'est moi qui remercie. Bonne journée. Ah, vous également. Au revoir. Si ça commence à sortir des Camacho, des brûleurs, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Les Buffalo. Direction Sud, Alpha Street, sur les échangeurs. Après, je suis même pas sûr que les scouts puissent rivaliser avec ça. Non, 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 les scouts non plus, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Parking G10. Ils peuvent pas, ils peuvent pas. Bon, on va faire un petit détour pour les aider, je pense, avant d'aller au café. Ouais. Perte de visuel de NPI du parking G10. Ah. Bon. Bah, vas-y, vas-y, quand même. Tu me diras. Un Camacho rose à drapeau américain, c'est pas courant. C'est vraiment pas courant. Je suis dans ma tête 5 minutes. Donc le G6 c'est ici, c'est ça? G6 c'est à gauche là. Ouais, ok. Et donc on va enregistrer un peu les points stratégiques. Des choses qu'ils aiment bien faire, c'est. Est-ce que tu t'ouvres ou pas? Oui, parfait. C'est passé là, bon, ils attendent pas que ça s'ouvre. Et après, repasser juste là pour. Pas partir ici. Ouais. Ok. Ce qui est bien compliqué. Ou alors ils traversent le parking et ils ressortent de l'autre côté. De l'autre bout du tunnel, oui, à droite. Ils ressortent là à droite pour repartir en face, pour ressortir de nouveau en face. Donc ici à droite. Puis en cas général, ils vont tout droit, ils font la petite boucle et ils repartent dans le parking rouge qui est juste à gauche. Bon, j'ai pas vu de Camacho. Ce qu'on disait, j'ai loupé la rue. Delta 2 pour Central, on fait un retour PDP pour une fin de service de 15. Central reçu. De 07, de Central pour 07, vous prendrez un. Vous redescendrez par la suite et vous voyez avec Tango 1 pour former 2 Delta par CPH. Et 07, c'est bien pris. C'est à dire quoi par TPH? Un téléphone. D'accord. Parfait. Un petit truc, je vous enferme dans le véhicule. Voilà. Le véhicule est fermé avec 0,3 dedans. Ok. Faudrait pas qu'il s'échappe. C'est quelqu'un. Est-ce que c'est ouvert? Ah, c'est fermé. Donc comme ça, c'est réglé. On ira plus tard. C'est fermé, mais la porte est ouverte. On va quand même envoyer un message au cas où. Entreprise, ça, et le café.
Ouais, un petit message, on verra bien s'ils répondent. Ok. À 353 000, si on a les primes aujourd'hui, il faudrait faire 60 000 plus, je vais être à 410. Bon, c'est pas mal. Vu que personne n'a pris l'appel, je pense qu'ils sont vraiment pas là. Combien j'ai? Bon, il m'en reste 6, encore de quoi patrouiller. Bah, repartons. Ça va toi niveau boisson? Ouais, il m'en reste 4 sodas, ça devrait aller. Oui. Soda. C'est à la spat ça? Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas top non plus. Pas c'est pas génial, mais ouais. Bon, ça fait. Ça permet de s'hydrater un petit peu. Quoi. Mm-hmm. Ah! Ça, c'est embêtant, vu qu'à l'intérieur, je ne peux pas ouvrir le véhicule. Zut! Ah! C'est bon, c'est ouvert. Sinon, à pied, on patrouille. Bah oui, on peut faire ça, mais pour intervenir, c'est compliqué. C'est vrai que ça va être un peu difficile. Ah bah tiens, on m'a répondu. Hello. Ouais. D'accord. C'est bien. Alors on va se garer devant le Daily Bugle. Daily Bordel, pardon. Voilà. Allez, à plus. Voilà. Ah oui. Oui, a priori elle est toute seule ce matin, elle est partie en livraison, donc elle revient d'ici quelques minutes, elle m'a dit. Voilà, la dame du café. Ok. Du coup là par rapport au parce que j'ai lu un peu toutes les procédures là qu'il fallait que j'apprenne. Après il faut que je passe une formation pour chaque procédure, c'est ça? Alors en tant que cadet, les formations de base, donc il y a l'initiale, le PPA, la conduite, la CP et la procédure. Ok. Une fois ces formations là passées, tu peux prétendre à passer l'académie qui te permettra de devenir officier. D'accord, ça marche. L'académie, c'est juste un examen où on voit tout ce que tu as appris au niveau des différentes formations de base. Mmh. Et par la suite, en fonction de si tu souhaites par exemple conduire les motos ou quad du LSPD, il faudra que tu passes la formation Mars. Ouais, ça, ils m'en ont parlé. Après, il y avait Shark et Goliath, c'est ça? Voilà, donc Shark, pour. Devenir Shark, faut faire la formation conduite rapide, ensuite passer l'examen de conduite. La Goliath, faut passer la formation tactique. 3. Ouais, c'est ça, la formation tactique et catégorie 3. Ouais.
Après, pour le BE, je ne suis pas sûr qu'il y ait réellement besoin d'une formation quelconque. Enfin, je pense que quand même, ils vont te rendre sur le terrain pour te montrer quoi faire, mais je suis pas sûr qu'il y ait de formation à proprement dit. Ok, et les formations du coup initiales, faut que je les fasse avec des officiers, c'est ça? Avec des officiers formateurs, donc Ok. moi en l'occurrence, je peux faire l'initiale que tu as dû faire, PPA que tu as dû faire, et conduite. CPA si tu veux. L'initiale. Initiale, c'est Oui. présentation du poste de C'est police, tout ça, ça. ouais. Ah oui. Ouais, ça j'ai fait. Mmh. Conduite, j'ai pas fait. Ah, j'ai Jacqueline qui est à la réception, m'a pas appelé. Je vais regarder ça. On va aller voir ça. Oh bah non. Cadet descendez. Et Oui. 66, tout Mmh. feu, on va tout de suite au PVP. Eh ben c'est bon. Vas-y, On se passe. dépêche. On se dépêche. Ouais. Merci beaucoup, Sarah. Oui, je comprends totalement. On se dépêche. On a attendu au PDP. Non, il y a le Camacho de tout à l'heure qui... Qui est devant le PDP. Arrivé PDP. On doit le suivre ou pas? Et oui, on suit. Ah Et Delta 1, début de CP sur Camacho. ouais. De toutes les couleurs, rien dégueulasse. Qui s'amuse à faire des allers-retours devant le PDP. On va pas aller loin étant donné que j'ai 29% d'essence. Faire le plein, je suis désolé, j'ai oublié de vous le dire. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Je sais pas où est-ce qu'ils vont, mais ils y vont.
Ah. Ça, c'est dommage, ça passe pas. Sur route 68, direction ouest, on se dirige vers le camp d'Icar. J'ai 20% de négatif, on passe en off-road. Ouh! Ah oui, non, il est pas. C'était pas une bonne idée, ça. Ouais. Pas au pire. Lève la tête, on te met un contrôle de l'individu. Zone Marina. Ouais, parce que là, là où il nous emmène, c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Il est 18%. Il continue sud, vient passer devant la ferme, on va arriver derrière la fonte de Monka. Toujours en off-road au sud de la ferme. On va se diriger sur Senora Road. Pourquoi on n'avance plus là? Je sais pas. Ah oui, ils se sont arrêtés parce qu'il y a un stop. Ah, t'es combien au niveau d'essence là? 13. Ok. Et que tu passes à 10, bah tu lâches. Mm-hmm. Ce qui risque d'être très bientôt. Oui, on continue sud sur Senora Road, on va bientôt passer dans la Fonte Blanca. Je pense que je vais aller... Tout à l'heure, on a besoin de renfort. Je vais aller faire le plein à Clinton. La centrale, on arrive, on remonte, on est sur... Elgin Avenue avant Senora Road. Bien pris, dès que vous nous voyez, vous reprenez la CP, on risque d'être... On va descendre. Ouais, je suis à 9. Vous reprenez la CP. Ok. On va chercher l'essence. De centrale, on remonte sur Marlow Drive. Toujours à la poursuite du Camacho, direction nord. Toujours Marlow Drive, direction nord. Ah oui, excuse-moi, petit coucou de la part de 10, comment tu vas? Bah ça très bien et toi? Et merci pour le follow. 10, oui, Jérémy Lowe. C'est ça? Si tu vas de bêtises. Vérifions. C'est bien ça. Direction ouest actuellement, toujours sur le petit chemin de terre. Ah oui, ça va, oui. On verra l'observatoire, je crois. Là. Et en redirection, direction sud sur Mount Ann Drive. Petit chemin sud de Mount Ann Drive. Mount Ann Drive. Attends, je vais t'aider. Ah, je vois pas du tout la cassette. Ah si, celle-là. Ok, celle-là. Ah oui. Et on monte en direction de l'observatoire
lâche ton point, je m'en occupe. Ok. Tout à fait. Bonjour. Sur Galiléo Avenue, on prend le chemin de terre derrière l'observatoire. On va directement aller sur l'observatoire, je pense. Ce que j'ai fait, rue. Ouais. Toujours sur le chemin de terre qui monte à l'observatoire. On arrive à l'observatoire. Sur le parking de l'observatoire. Il fait demi-tour et il reprend le chemin de terre pour redescendre. Sur le chemin de terre, Galiléo Avenue, direction nord. Non, mais va direct. Je pense qu'ils vont revenir par là, il a dit chemin de terre. Très probable. Toujours sur le chemin mais de terre. Je vais pas me mettre sur le chemin. Mets-toi sur le chemin. Ah, on va se faire défoncer par le camion chaud. Direction nord. Ça fera dévier, il va pas nous rentrer dedans. Putain. Oui. L'individu vient de faire un saut. Je pense. Je pense qu'il a... Oula, ça glisse. Ça glisse, attention. Ouais. Le véhicule Camacho vient de faire un saut par-dessus une route à une hauteur défiant les lois de la gravité. Du genre là. Putain, je voulais écrire un texto. On est sur Bay Tree Canyon Road, direction sud, on passe devant l'ancienne ferme. On est chemin de terre, en dessous de l'ancienne ferme. Mais direction sud. Vous manquez son 4x4, hein. Continue sud, on va arriver sur Senior Road. Senior Road, on continue sur Joshua. Non, négatif, on prend. Route 68. Route 68, direction est. On va passer devant le magasin de vêtements. On arrive au niveau du Comdicar. Continue toujours est sur route 68. Si tu te rapproches assez près, je peux essayer de tenter un tasage des pneus parce que je pense qu'on va pas pouvoir l'arrêter sinon rapide. Toujours tenter. Toujours sur route 68. Toujours sur route 68, direction ouest, on est maintenant sur Senior Highway, on passe devant les mines de quartz. Centrale, vu la taille du véhicule, nous n'allons pas pouvoir le pit, je conseille donc de tirer au taser dans les pneus. Centrale affirmative. On monte dans les chemins de la des éolines. Ça vous rappelle pas quelque chose là. Si. On est toujours dans les chemins des éoliennes. On fait le petit dernier. J'ai l'impression on a fait un certain temps. Je sais plus si j'ai mon taser. Si je l'ai toujours. Ah, si t'arrives à le rattraper, c'est très magique. Tu sais qu'on a le droit de couper au cas où. C'est vrai. Oui, le sur la terrasse. Après, bon, je te déconseille. S'il fait demi-tour, on va pas forcément toujours y arriver.
s'arrête ou je mets un tel coup de taser dans les pneus. Ça arrête ou je m'inquiète. Delta 2, un feu mal, un feu mal. Descendez du véhicule. Oh. Putain, je l'ai raté de si proche, j'arrive pas à viser mieux. Delta 2, du coup, retour PDP pour dépôt de stupéfiants. Centrale reçue. Ça arrête. Centrale pour Delta 1, vous êtes toujours sur le champ d'éolienne. Affirmatif. Ça va être compliqué là, hein, de suivre. Okay. Ah, non, ça va aller. De centrale, on n'entend pas vos sirènes. On bouge plus. Deux pneus sur quatre de tasé, le véhicule ne va pas pouvoir bouger très longtemps. Vous avez pété sur le côté. On est toujours sur le chemin, n'hésitez pas à remonter. Négatif, on commence à redescendre vers la Seigneura Freeway. Au niveau de la prison militaire. Je dois essayer d'avoir les deux autres. Hein. Ouais, je peux pas t'aider. Bon. Ah, il roule sur les jantes. Ah oui, d'accord. J'ai demi-tour aussi. Essaye de reculer. Le central, on se rend vers la prison militaire. On est sur la cible. Il court vers la prison militaire. On marche. Dépêche-toi. On s'arrête, sinon je vous tase. Ah, je crois que vous avez pas votre taser. Si, si, je l'ai toujours. Ils vont directement en prison. Avancez vers moi, les mains en l'air. Delta 2 pour centrale, arrivé sur PDP. Avancez vers le véhicule. Bon, vous venez nous mettre en prison ou pas? Là, on attend, moi. Allez, on est là. Sortez du bâtiment, les mains en l'air. Immédiatement. Ah bah non. Non. Ah bah non. Je suis pas sûr, hein. Je crois qu'il a un problème, votre collègue. Manon 03. J'appelle les MS. Mais quel enfer. J'ai vu ça dedans, je me suis dit il y a peut-être un petit souci. Bah, arrêtez de bouger. Oh merde. Non mais. Non mais c'est quoi ce bordel les mecs là? Bon, vous me mettez en prison, oui. Ouais. Pourquoi vous avez volé le véhicule? Qui l'a fait, 03? Vous éloignez du véhicule, s'il vous plaît, vous enlevez votre masque immédiatement. Je vais vous mettre les menottes, monsieur. Vous enlevez votre masque immédiatement, vous arrêtez, vous sortez, vous touchez pas au véhicule, éloignez-vous du véhicule. Est-ce que vous avez une pièce d'identité sur vous?
Oui, mais non, c'est pas de pièce d'identité. Mais il y a votre collègue là qui fait coma. C'est déjà fait. Il est en route. Ils sont en route. Bon, bah allez, hop. On y va. Le saut était super. On va en prison. C'est où la prison, Sef? J'en ai aucune idée. C'est où? On n'est jamais venu. Ah merde, vous êtes pas... Bon, bah faudra dire au général qu'il vous emmène un de ces quatre. Eh, sergent? Sergent? Tu peux noter? Putain, mais démenotez-le quand même. Ah oui, mais c'est démenoté, sergent. Mais c'est un militaire aussi, hein. Bah vous, c'est pas parce que c'est pas bon, tenu que... c'est John Wish, ouais. Mais Ah, tu vous emmerdes, sergent. Oui, allez, c'est 5 minutes. Tu vous emmerdes, sergent. Là, c'est dit. Bah, pourquoi vous avez combattu 03, là? Mais franchement, connard. J'ai laissé ton homme, pas sous la pluie. Ouais, pas grave, on l'a fini un peu, il était bon, il est pas avancé, le 03. Hein. Chez Dodo. La première fois qu'on a fait avec, avec la Raptor, c'est pour voir, on peut vous entraîner complètement sur la route. Et sur la deuxième, en fait... Ah, pardon, c'était pas vous. Oui, je me doute. Et sur la deuxième, c'était plus pour la conduite sur Terre. Ah, tu vas y arriver. Restons loin, je pense. On le met dans les pots de fleurs? Non, peut-être pas quand même. Non, mais évitez de le mettre dans les pots de fleurs quand même. Éventuellement, si tu veux le mettre à l'intérieur, tu peux. Voilà. On peut rentrer à l'intérieur, sergent, pour le poser à l'abri? Peut-être essayer de lui ouvrir la porte. Et peut-être aussi essayer d'appeler Candica. Ah bah non, c'est drôle. On va varger. Et il est beau mon véhicule là. Très beau. Il est magnifique hein. Et qui c'est qui le poursuivait quand t'as fait le saut? Alors lequel? Le deuxième c'est 83. Non. Non bah vous avez bien fait, parce que vos véhicules il faut pas adapter, mais adapter, c'est pour ça que vous avez bien fait. Bah qui c'est? Bah 03 là qui t'arrive, c'est ce que 2? Oh 03. Il fait des guillis, voilà. Bah non, ils font de tour. Ils arrivent des EMS. Oui, ils arrivent. Oh. Lui avait fait... Qu'est-ce que vous lui avez fait à 03? Il a donné qu'un ordre qu'il fallait pas à 03? Comment ça se passe? Négatif, il était profondément sa tête, je pensais. Ah ouais, il était con. Delta 2 pour Centrale. Centrale, parler. On est actuellement au PDP, il y a 73 qui est en attente de dispatch. Est-ce qu'on le récupère pour faire un tango? Ah, il s'est réveillé lui. Tout à l'heure, on était au PDP, mais il était concentré aussi. Hein. Ouais. Delta 2 devient donc tango. Hein. J'ai même dit appelé 03 pour dire il y a les connards avec un camacho dégueulasse qu'il faudrait arrêter pour faute de goût parce qu'il y a un drapeau de l'armée dessus. Le général voit ça, il va câbler. Oh putain, faut pas que le général il voit ma voiture. Hein. Merde, oui. Oh merde, oui, faut le casser, hein, vite, faut le casser. Si le général voit ça, je suis dans la merde. Parce que vous savez, le général, il a encore de l'Amérique. Hein. Ah bah, oui, c'est sûr. Ça, c'est un coup à prendre un coup de lance-support. Ouais, alors, c'est moi qui ferai le lance-support, en fait. Il mettra le suppo dans mon cul, c'est moi qui servirai de lanceur. Ils sont là, les EMS, Ah bah les voilà. Vous avez les EMS, ils sont dedans, les combattants. Écartez-vous de moi. Ah non, c'est pas passé, les gars. Une désorientation. Voilà. On l'a sorti. 66, je suis sûr que t'as envie de visiter. Je te vois, t'es curieux. Oui, oui, très envie. Allez, viens avec moi, je te fais visiter. Allez. Bon, là, y'a rien de spécial, hein. Là, c'est les vestiaires. D'accord. Allez. Les portes sont lourdes, j'ai l'impression. Ah oui, très lourdes. Oui, très lourdes. Allez, lourdes. Allez, non, mais normalement, les portes, elles sont fermées. Bah ouais, non, mais il veut visiter l'accueil. Mais non, normalement, elles sont fermées. Ah, les portes, elles sont fermées. Normalement, toutes les
portes sont fermées, c'est ce que je viens de découvrir maintenant. C'est pas de les verrouiller. Oh merde, ça c'est con. Bah là t'as la salle. Ça va 03, vous avez pas trop la bouche sèche? Là t'as la salle pour le barloir. Oui. C'est con, moi. Bon, après plus loin, on va parler avec. Bah moi je parle avec les. Par là, je dirais que c'est là où on enferme les prisonniers. Moi, les prisonniers, quand ils arrivent, ils passent par là, ouais. Ou quand ils sortent. Hein, ou là où l'autre. Oui, enfin, c'est. Oui. Comment dire? C'est ninja. Croisé, c'est ninja. Désolé, ça fait pas très professionnel. Ah, pas. Ah bah non, 03, c'est pas professionnel. Non, ça je confirme, oui. C'est nul, 03. J'étais concentré si vous tirez dans les pneus au lieu de voir ah si oui, je me sentais sans pneus. Ah oui, oui. Non, mais plus là, c'est quand même qu'aucune de vos unités a remarqué que vous étiez coma. Ouais, j'ai comme quoi, la preuve qui tienne à vous, 03. Ouais, pas du tout, en fait. Si le commissaire apprend, vous faites pas gaffe les uns envers les autres, il va péter un boulard. Non, non, si le commissaire il apprend, surtout qu'une unité a perdu un taser. Ah oui, hein? J'ai entendu parler de cette histoire, c'est quoi cette connerie? Ah, mais ouais, il a 15, ouais. Il a perdu son taser, il nous a demandé un taser. Alors je vous explique. 15 était en civil, il a été suspendu ces derniers jours. Et en plus, il était en ITT, je crois, hier. Et il se balade avec son taser à l'Espigny. Oh, il me plaît bien celui-là. Et, attendez, sergent, je voulais sortir un truc dans les vestiaires. Ça va être drôle. Quand il. Mais il s'est fait un coup de hachette. Apparemment, il aurait perdu en tombant dans un ravin ou je sais pas quoi. D'accord. En fait, j'ai compris son histoire, mais. Mais en fait, déjà qu'il foutait avec, surtout moi. Mais oui, c'est ce que je lui ai dit. Qu'est-ce qu'il foutait avec du matériel professionnel à la prison? Ok. Je vais partir à la face. Ça ressemble à une mallette de sniper, non? Allez. Ah bah je vous dis pas ce qu'il y a dedans. C'est une mallette pour avec une guitare dedans. Ah bon, tout va bien alors. Ouais, une guitare qui fait pas. Vous partez jouer dans le métro? Non, je vais à la face. Ah d'accord. À la sas aux flics. La sas aux flics? Ah non, pas la chasse aux flics. Ah si, je vais à la sas au cadet. Excusez-moi, j'ai pas entendu ce que mieux. Je me sens mieux, oui. Je vais retirer tout ça. Hop. Tank 1, reprise de patrouille. Voilà. La perfusion. Centrale reçue. Et un joli. Mais après, tous les cadets sont pas comme 15, hein. Je vous rassure. Ah. Heureusement. Oui. Je montre que tous les cadets m'ont demandé si j'avais le permis de conduire. Non, mais ils allaient à la SAS au cadet 15. Pourquoi vous n'avez pas permis de conduire? Vous n'avez pas votre permis, sergent? Vous permettez que je vérifie vos permis? Ok. Je vais vous leur vérifier. Pas vraiment. À la limite, le général me demande si j'ai le permis, je peux comprendre, mais qu'un cadet me demande ça, non, pas trop. Je ne suis pas calé, sergent. Non, mais qu'un agent de l'espion me demande, je ne suis pas trop fan. Du coup, je vais vous laisser. Oui, merci beaucoup, madame Malone. Je ne peux pas en rappeler ou après ce que je viens. Merci beaucoup, madame Malone. Ah, je vous en prie. Allez, bonne journée, faites attention à vous. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Bon, il est parti où là, mon militaire? Peut-être ranger sa mallette. Bon. Voilà. Allez. Information pour vous, retournez patrouiller tranquillou. Voilà. D'ailleurs, comme ça. Allez, on se casse. Allez, on est parti. Par contre, moi je pense que je vais faire une fin de service. Moi aussi, je vais faire une fin de service pour manger. J'allais manger aussi. Peut-être là, 13h30. C'est ça. Ah oui, putain, ouais. C'est lequel de notre. Je vais dire celle de droite. Ah bah non, il manque une porte à celle-là, c'est pas la nôtre. Nous, on avait toute la porte. Ah. Ah bah elle est là-bas à la porte, je crois. Elle est là, la porte. D'accord. Bon bah on va aller au candy car. Hein. Ouais.
Ouais, c'est fermé. Je crois pas, non, c'est juste qu'il doit être en train de travailler derrière, peut-être. Ah ouais, sinon le compte du car est fermé. Bah tant pis, on la réparera tout à l'heure. Oh là là. Vous voulez prendre une fin de service ou on y va? Non, je vais prendre une fin de service. Ok, très bien. Tango 1, on se dirige au dernier point de braquage. J'ai l'impression qu'ils ont très peu d'employés, les points du car. Ça prend un arrive sur le braquage, moto 58, GP200, couleur sable et noir à l'arrière. Oui, non, je vais vous déposer, je vais vous faire le plan de la voiture. Parfait. Ah, j'arrive pas à sortir. Je suis en plein message, attendez. Pas de problème. Bah, je vais faire le plan en attendant. Et début de CP sur GP200 sur route 68 direction ouest. L'individu remonte, descend pardon, direction sud sur Seniora Road. On passe devant la Fuente Blanca. Garde de visuel au niveau de la Fuente Blanca. Tiens, go 1, perdu de vue, c'est pour poursuite. Faut appuyer sur l'accélérateur, hein, les gars. Hop, reprise visuelle, elle fait demi-tour sur Sierra vers au nord. Elle revient vers vous. Je prends une fin de service tout à l'heure. Ah, tout à l'heure. Et on va prendre celle-là. Continuez les calls, s'il vous plaît. Tiens, go 1, perte de visuel. Non, mais vraiment, on fout cette porte. Tango 1 pour Centrale, est-ce que la supérette elle était sécurisée ou pas? La centrale négative. Tango 1, nous allons sécuriser la supérette. Là, on va bien envie d'aller vers Seniora Road ou Grapside. On va aller de Seniora Road.
Ah, c'est une erreur frérot. Ah. Non. On va se mettre là. Tango, un pied à terre. Je peux voir un truc ce gars, il demande des supérettes. Central, pied à terre, où et vous faites quoi? Tango, un pied à terre, la supérette. Oh, bah dis donc. Tango, un pied à terre à la supérette, je leur fais. je leur montre comment faire une sécurisation de supérette. Non, centrale reçue. De Sierra 1, course poursuite engagée sur une GB200 sable à bande noire, direction ouest, route 68. Course poursuite engagée sur une GB200 sable à bande noire sur la route 68 direction ouest. De centrale reçue, Tango 1, merci de recoller. On part direction nord sur Senior Joshua Road. On prend direction est sur le chemin de sable qui mène vers l'aérodrome. On continue direction est sur le chemin de sable, on va passer au nord de l'aérodrome. On bifurque sur le chemin de sable au sud de l'aérodrome. On reprend direction sud sur Panorama Drive. On se dirige vers les échangeurs au sud de Sandy Shore. On prend la Los Santos Freeway direction sud. Il tourne sur la Palomino Freeway. Toujours direction sud. Ça avance quand même une... J'ai vu du sang. Sur la station service Super de Palomino. Monsieur, on s'arrête. L'individu repart Palomino sud, je lui ai crevé un pneu. Il s'est arrêté pour faire le plein d'essence. Où il est? Là. Non. Où il est? Pas pu aller très loin. Pas pu aller loin là. Le temps de remontant le véhicule, j'ai une perte de visuel de l'individu. Il s'est dirigé sud, Palomino. J'essaie d'aller voir là, là-bas à droite. Il n'a pas pu aller loin avec son pneu crevé.
Apparemment, non. Je peux lui passer. Centrale pour Delta 1. Delta 1, j'écoute. Juste pour vous annoncer qu'on est au PDP, on attend Monsieur Lemaître pour finir son recensement. Bien reçu. Je sais pas où il est passé. Vraiment là. Alors, je peux pas voir. Vraiment. Centrale à Delta 07, il y a mal de tête. Oui. Négatif 07 et. En train de faire un recensement à l'intérieur. Oh. Non, non, franchement, je sais pas où il est passé. Truc de fou. Je vais remonter PDP, faire une fin de service pour moi-même aller manger, être disponible pour 13h30. Ça me laisse perplexe.
66 fin de service, à tout à l'heure. On va se poser ici même, côté de notre micro-ondes adoré. Et je vous dis à tout à l'heure, bah sur le coup de 13h15, approximativement. Bon appétit à vous et à tout à l'heure.